Raison qui fait n'a pas parlé aujourd'hui là, c'est parce que il y a des accusations une qui plus grave que l'autre, ce qui a pesé sur et plusieurs diplomates haïtiens, et accusations à corruption, accusations à harcèlement sexuel et collaboration avec ennemis et intelligence avec ennemis, gain tout et détournement l'argent, violence conjugale, entre autres, c'est deux accusations qui très graves qui a pesé et sous diplomate yo, ou même dans deux rapports que ou t'es produit yo, et ou t'es passé dans privé là, il y a des éléments structurels qu'on t'a identifié qui étaient capables de mener nous là. Oui, effectivement, Qui ça, parce oui? que depuis la machine a perdu rail là, tout bagaille qui est arrivé. Et rapport ça, nous te soumettons à l'appréciation du ministère des Affaires étrangères, qui te promettent nous, que nous avons chita avec nous pour au moins produire et travailler sur un plan de réforme. Parce que constat, ça, c'est des bagailles que nous faisons depuis sous président Préval, et que nous te soumettons deux rapports par le président Préval, deux rapports d'évaluation, et un rapport d'enquête que le président Préval te fait suivi sur eux, et soit pour rappeler, ou peut-être, dans le moment, ça m'a pas connu qu'il a ajouté gain, t'es gain même détournement de fonds, ça, dans le ministère des Affaires étrangères. 70 millions, qui t'es loué payer mission diplomatique, qui ont été détournés, t'es gain une allocation mensuelle à étudiants haïtiens qui cubaient aux 6 millions, qui t'es détournés, t'es gain réparation locale, ambassade d'Haïti en République dominicaine, donc, il y a gagot qui t'est fait, ils ont été fait une évaluation de 500 000 dollars pour réparer un local en République dominicaine, et puis t'es gain achat du consulat d'Haïti à Santiago, qui t'est fait objet de débat en dans le Sénat, et rapport ça a été soumis à Cour des comptes, président René Préval, qui t'est fait suivi, et m'couet, t'es gain administrateur, ministère Affaires étrangères, je veux dire, qui gain arrête de bain sous Doli, président Préval, t'est fait suivi. Rapport d'évaluation, nous t'est soumettre à appréciation, président Préval, t'est fait dans des séances, il était convoqué les plus grands ambassadeurs. Ambassadeur Ray Joseph à Washington était convoqué. Ambassadeur Siréas en République dominicaine était convoqué. Il y a plusieurs ambassadeurs qui étaient convoqués, fait une semaine à Port-au-Prince pour nous travailler, pour nous redresser situation. Mais depuis l'arrivée du président Michel Martelly, et par contre, il a fui le Sénat républicain, lui-même qui c'est le deuxième pilier diplomatie. Hein. Président, c'est premier. Le Sénat de la République a responsabilité lui-même. Le président choisit représentant, que ce soit représentant permanent, ou bien ambassadeur, ou bien consul général, pour qu'il étudie le dossier, garder si moun sa yo lisible, si yo pas de double nationalité, est-ce que moun sa yo gen capacité pour aller représenter le pays, et yo fait rapport, et ta ça, yo soumettre à président, et président lui fait nomination. De 2010 à aujourd'hui, on nous dit 2012 à aujourd'hui, pas jamais une ratification par le Sénat de la République. Et pour moi qui connaît diplomatie, ça fait faiblesse diplomatie, non, Daniel, parce que l'on ratifié par le Sénat au regard du droit haïtien, ou son fou l'ambassadeur, ou accrédité auprès du chef de l'État du pays d'accueil. Et l'on pas ratifié par le Sénat, ou son véritable chargé d'affaires, ou accrédité auprès du ministre des Affaires étrangères de pays que ou accrédité là-dedans. Donc, depuis 2012, nous passons à accréditer personne, mais ça n'a pas empêché que nous passions à ratifier personne, ça n'a pas empêché que nous continuions à faire travail. J'en suis dit, en 2016, mon premier rapport qui soumette à Sénat République là, la Légion d'affaires étrangères, et mon deuxième rapport en 2017, côté nous évaluer l'Europe, et nous fait deux bagailles. Nous fait constat et nous fait recommandation. Constat que nous fait dans deux rapports à eux, et tout sénateur qui rapport ça à la CAIO, nous dit que il y a une situation ou absence de synergie entre les ambassades, missions permanentes et postes consulaires. Ça veut dire que, je dis, alors, c'est ambassadeur aux États-Unis ou c'est ambassadeur, par exemple, à Paris, ou bien, pour travailler en étroite collaboration avec le consulat d'Haïti à Paris, en étroite collaboration avec le consulat de Guadeloupe, l'ancien ambassadeur aux États-Unis, ou de travail en étroite collaboration avec les consulats qui y ont même basé aux États-Unis. Donc, au problème de synergie, et on doit en étroite collaboration avec les affaires étrangères. Des fois que, diplomatio, y'a pas recevoir directive de affaires étrangères, y'a pas recevoir nouvelle stratégie des affaires étrangères, y'a c'est de véritables employés qui l'a contre cap décidé pour contre. Nous dit, manque de définition de la stratégie diplomatique qui n'est pas définie. Même le ordre mondial l'a changé, il y a des ordres régionaux qui changé. Mais nouvel ordre qui doit joindre diplomate, nous, il n'y a pas arrivé joindre. Je dis, on a commencé en diplomatie, imaginons, en 2016, 2017. Mais je dis, ou en 2023, nouvel ordre l'a changé avec la guerre en Ukraine.
faut que des nouvelles stratégies diplomatiques qui développent et font représentants de New York recevoir instructions sur ça. Mmh. Avec montée de briques, par exemple avec la Chine, la Russie, le Brésil, ordre économique n'a pas changé. Automatiquement n'a pas changé. Faut que diplomates New York aient une nouvelle méthode d'approche. Faut que on update you. La c'est liste des diplomates n'est pas et n'est pas actualisée. Je dis en où que doit arriver. Oui, oui. Ou dit de 2012 à 2023 et c'est nous pas jamais ratifié un ambassadeur. En 2020 parce que après 2020 c'est oui. Sénat est dysfonctionnel. Pour qui ça et c'est n'a pas jamais ratifié et diplomatique. Qui est-ce qui est responsable? Il y a juste court-circuité. C'est comme pour la Cour des comptes. C'est président fait choix yo, il voye devant Sénat République. Même genre pour par exemple la Cour de cassation, soit au fait, yo voyo ba le Sénat République là, c'est président qui l'a avec son ministre des Affaires étrangères pour choisir diplomatio et puis yo voyo ba le Sénat, même genre président choisit son premier ministre, li voyel au parlement pour li ratifier par le parlement. Donc parlement fait double travail, yo travail de vérification des pièces pour vérifier si effectivement moun sa c'est haïtien, est-ce que casier judiciaire moun sa li vierge. Est-ce que Mounsa a un curriculum vitae qui adapté à ça que yo pral voye faire comme travail là? Et puis, deuxièmement, ou bon audition qui fait. Et audition ça, c'est la commission des affaires étrangères qui fait audition, hein, qui questionne sous toute sa guerre rapport à diplomatie pour est-ce que l'y habilité, parce que c'est pas être diplomate. Chaque diplomate, bon travail spécifique, il doit faire en fonction de côté, il pral faire diplomatie en fonction de pays, il pral aller. Est-ce que diplomate ça li adapté à pays que prenez? Parce que moun qui aux États-Unis, pas fait même travail à moun qui Santo Domingo. Moun qui Santo Domingo, pas fait même travail avec moun qui à Paris. Et puis, rapport ça ou soumettre li à Sénat République là, qui li même non séance publique, que grand public a connaît, questionner commission affaires étrangères là. Et si commission a passé cap difficile ça, dans un moment, au nom de ambassadeur ça, il a ratifié. Et puis le président du Sénat, lui-même, il prend charge pour que lui écrit président pour le dire ensemble de diplomates qui ont été voués devant commission affaires étrangères Sénat, ça a l'habilité pour le représenter PIA. C'est alors que président PIA, pour le nommer Mounsa, pour le représenter PIA, il prend charge au nom du pays et il est responsable devant nous-mêmes comme sénateur de la République parce que nous avons un deuxième ordre. Donc malheureusement, il passe en fait au court-circuité Sénat. Mm-hmm. Donc tout ça que nous fait comme travail, nous soumet aux affaires étrangères, mais discussion profonde pas en fait sur yo. OK. Parce que affaires étrangères pas tourné à la charge mm-hmm. pour venir joindre nous pour dire voilà mes recommandations, en discuter point par point et nous-mêmes pour nous réévaluer pour nous voir qui côté qui gagne manquement. Okay. Donc ça fait faiblesse diplomatique okay. depuis 2012. OK. Et maintenant, si vous comprenez bien, et faiblesse ça ou dit que diplomatie haïtienne li souffre le fait que et de 2012 à 2020 pas grand grain de diplomates qui accrédité par Sénat République là, c'est responsabilité à la fois président Michel Martelly, président Jocelyn Privet et président Jovenel Moïse. Si vous comprenez bien sénateur Boupla. Donc, sans m'abler faire personnalité, non, moi, juste situé, travail moi, dans le temps, voilà. C'est eux qui étaient dans tête exécutif, là, c'est eux. En effet. Oui, à l'époque, c'est eux qui étaient dans tête exécutif. Moi, j'ai dit, pour payer encore, diplomatio, ils n'ont pas passé par le Sénat, ils ont court-circuité Sénat. OK. Et ils ont nommé comme chargé d'affaires dans des pays sans que le Sénat n'ait pas ratifié. OK. Ça fait faiblesse diplomatique. Maintenant. Nous pouvons finir ce constat. Oui, allez-y. Vous voulez nous avancer oui, plus? Bien sûr. OK. Maintenant, nous jouons comme constat les votes qui ont fait, surtout en multilatéral, à l'OEA, aux Nations Unies, qu'ils soient à Genève, à New York, ont un problème de communication. Affaires étrangères par grosse cellule pour qu'ils communiquent à temps à diplomate. Et des fois, votre compte fait de manière maladroite. Et pays a qu'on paye conséquence vos sales. Parce que relation, on dit, faut que des mounes qui l'a en permanence pour communiquer avec mounes qui représentent nous à l'extérieur, bon cellule sur ça. On a imaginé, par exemple, on vote à fête entre eux et les États-Unis et Venezuela, vous rappelez-vous de ça? Et que, diplomate, là, lui-même, il n'a pas le droit pour voter sans lui pas demander instruction. Un ministre affaires étrangères qui lui-même doit rentrer en contact direct avec le président payant pour dire comment pour voter. Si communication ça n'a pas passé à temps et que moment vote n'est arrivé, Haïti est capable de voter pour, il n'est pas de voter pour, il est capable de voter contre, il n'est pas de voter contre, il est capable de voter abstention,
qui vient faire que les vins préjudiciables pour nous. Gros problème de communication. Gros problème en de loyer, on connaît ça à l'outou. Parce que nous avons un paquet de comptes à dépenser pour loyer à l'extérieur. Longtemps nous recommandons à faire étrangère pour qu'ils ne savent pas acheter pas ça pour permettre que le pays pauvre ça bénéficie l'argent. Mais ça n'a pas jamais fait. Ils ont préféré louer des espaces de manière très exorbitante et que payer, ils même la payer coût moi, avec dollars qui montaient et que taxes payées à rentrer en goût. Nous imaginez, et Daniel, par exemple, sous-prend l'espace que nous avons à New York qui logeait l'ONU, Organisation des Nations Unies, à savoir représentation diplomatique haïtienne, et le consulat haïtien à New York, lui coûtait $45,000 par mois. $46,000 chaque mois que l'a payé pour lui. Faut calculer avec un monde qui vit aux États-Unis et que si nous acceptons espace ça après 20 ans, là nous réévaluer pour qui quantité combat Haïti t'a fait. Je dis, le nous pas espace nous gagne Miami qui pour nous. Sous évaluer je dis, il vaut nous presque 3 millions à 4 millions de dollars. Ça nous gagne en Italie, en Belgique là, il vaut 7 millions d'euros je dis. Nous paye 46 000 dollars. Voilà, en pile. Il vaut 40 nous dit $46,000 chaque mois. La PL nous pas acheter espace là à Genève. Nous payons $10,953 par mois pour loyer 100 chefs de mission par là-dedans. Pour qui ça nous pas acheter espace ça à 10, 15, 20 ans. Ça c'est des constats que nous faisons. Ça nous loue comme espace, nous prenons pour payer des fois 2 mois pour arriver à Haïti pas de possibilité pour payer espace là. Et c'est la justice qui vient qui a mis pression sur mission pour que au moins il y a quitté des dettes là. Ça pas fait image diplomatie noire. Ça doit rentrer comme ça, l'heure arrivé en retard. Il y a un monde qui diplomate, qui est à l'étranger, il a un passeport diplomatique, mais il n'a pas le droit pour faire l'autre travail. Au regard de la Convention de Vienne, il représente Haïti, il n'a pas le droit de faire l'autre job. Parce que le passeport que il représente Haïti, il travaille strictement dans le domaine haïtien au nom d'Haïti, pour Haïti. Vous faites 3 mois, vous ne payez pas ça. Imaginez comment lui-même, chaque mois, il doit payer le loyer. Et chaque mois, il doit manger, il doit payer gaz. Comment Mounsa, il peut vivre? Diplomate, nous, qui représentent nous, comme constat. Et, yo, accrédité, 4 accréditations confirme que le pays n'a pas même rendu compte que 4 accréditations Mounsa expiré. Fonctionner dans le pays. Si, il y a contravention avec l'état du pays d'accueil, premier bagage, il peut montrer ces 4 accréditations, yo, expiré. Et que l'État paye pas même prendre compte pour lui au moins changer au temps. Ça veut dire que des fois, moun sa ou kon gen problème passeport. Gen 2 ans, 1 an, moun an son diplomate, yon pas chèm revokel, li pa ka renouveler passeport diplomatique li. Li sans passeport. Or, c'est unique document valable que li gagne avec 4 accréditations. Si gon problème quelconque pour lui présenter, pour dire voilà, li représente Haïti pour lui une protection auprès du pays d'accueil. Donc, on a besoin de souffrir les valeurs sur la mission, tout le monde a plaidé, ils veulent renouveler passeport, passeport ou pas, j'aime renouveler. Or, c'est passeport ça qui gagne un visa diplomatique sous lui, qui habilite Mounsa à voyager. Ou bon, l'autre problème encore, Daniel, ou bien des diplomates qui sont des diplomates de carrière, à savoir des mondes qui étudient diplomatie, des mondes tout qui formés dans le ministère des Affaires étrangères à partir de l'université Jean-Paul-Espas, et que Mounsa a une carrière, il y a allô? Magique 9, toute nouvelle. Sénateur Boublin? Oui, oui, je suis là. Oui, et puis, PIA, on nommait des contractuels. Les contractuels sont les gens qui ont droit pour les résidences dans le pays côté lié. Mais cependant, si vous avez un problème d'effectif, il y a des travaux additionnels que le consulat, l'ambassade a besoin de faire, vous comprenez ça comme contractuel. Mais dans le ça comme contractuel, il y a un statut qui est différent des diplomates. Il n'y a pas de droit à doubler les diplomates en termes de promotion. Des fois, diplomate de carrière là, qu'on a gardé contractuel là, qui vient chef de mission sous lit. On lit pas droit, vient chef de mission, son contractuel, chaque 12 mois, contrat le fini, au gré de l'État, il est capable de renouveler contrat ça. C'est des constats conjoints. Police d'assurance, assurance, mon yo, il n'a pas payé à temps. Or, si mon malade, il n'a pas qu'à payer l'autre assurance parce qu'il n'a pas résidé dans le pays d'accueil là. Donc, faut que c'est ça ligué comme assurance du ministère des Affaires étrangères qui doit avoir la possibilité pour aller à l'hôpital. Les assurances sont payées à temps. Mon ami doit gon petit, il est malade, madame, il est mari, malade, et puis il paraît à l'hôpital, il dit non, assurance ça, il n'est pas en bête. Et dernier bagage, qu'on est tout,
question ordonnateur et comptable. Gros différence entre ordonnateur et comptable. Des fois, c'est ordonnateur là qui nommait comptable là. Nègla ordonnateur, à savoir lycée ambassadeur, lycée consul général, et puis l'hypro contractuel, c'est lui qui nommait comme comptable. C'est que c'est comptable lui, c'est pas comptable affaires étrangères, c'est comptable lui. En principe, à exiger ou droit des ordonnateurs là qui c'est chef mission. Et affaires étrangères doit gagner un comptable public, lui-même qui travaille en étroite collaboration avec le comptable public du ministère des Affaires étrangères, qui lui-même doit gagner un contrôle sous lui. Ça veut dire que si le ministère des Affaires étrangères a besoin de contrôle financier, c'est le contrôle du ministère des Affaires étrangères. Le contrôleur, on dit le comptable public du ministère des Affaires étrangères accrédité à l'extérieur, qui gagne pour lui au moins soumettre rapport aux affaires étrangères. Mais c'est pas l'ordonnateur lui-même qui nomme le comptable qui a dit mais qui ça pour le mettre. Parce que l'ordonnateur là lui-même, lui dit mais dépense qu'il doit faire. Comptable là, faut lui garder est-ce que norme il a respecté, est-ce que dépense ça la fête suivant régularité, principio. Si dépense ça pas respecté principio, c'est responsabilité comptable là pour dire dépense ça pas fait. Et c'est une raison qui fait, je veux dire, nous pas tomber dans tout ça que nous tombons, yo. Okay. Donc, modalité de gestion, yo, pas défini. Sénateur Bouplan, avant nous, te proposer de rapport, ou t'as évoqué modalité de gestion des deniers publics, c'est eux-mêmes qui, ben, nos conséquences que nous joignent là, et je veux dire, et mon dernier constat qu'on t'a voulu évoquer avec nous. Oui, effectivement, t'as dit que faut qu'on séparation entre ordonnateur et comptable. C'est pas ordonnateur, là, qui doit choisir comptable là. C'est le ministère des Affaires étrangères ou qui choisit un comptable qui a mandataire du comptable public du ministère des Affaires étrangères. Et faut qu'on contrôle régulier sous lui, faut qu'on supervision. Et cependant, moi, pense chaque année tout, doit gagner une organisation de séminaire qui fait pour montrer comment gérer le budget. Il doit faire ni pour ordonnateur, il doit faire ni pour comptable, les doit être fait ni pour responsable post-consulaire. Yo. Donc, post-consulaire, ambassadeur, et tous ces ordonnateurs. Mm. Donc, si pas gain des séminaires qui fait comment pour exécuter le budget, yo, donc, budget mal exécuté, a toujours un problème entre comptable là, ordonnateur là. Seule façon pour pas gagner, il faut gagner corruption. Et corruption, par l'autre bagaille, c'est mon qui choisit comptable. En principe, la moue deal, le comptable des missions diplomatiques, c'est mandataire du comptable public du ministère des Affaires étrangères. Et c'est à Mounsa Ali de bailler rapport pour assurer que gestion lui fait bien. Oui, ok. Gros problème entre ambassade et l'unité du passeport. Mounsa a tendance à prendre ambassade yo avec unité du passeport, particulièrement l'ambassade à Washington. Unité du passeport, elle travaille sous tutelle ministère des Affaires étrangères. Ambassade là, non, unité de passeport travaille sous tutelle ministère de l'Intérieur. Oui. À savoir, immigration. Ambassade, là, lui-même, lui assure gestion, en thème d'argent, dépenses. Mais l'ordre pour question passeport, formalité, imprimé passeport, c'est le ministère de l'Intérieur. Il y a deux problèmes. Un, ministère de l'Intérieur, lui pas fait rotation. À savoir, moun qui n'a unité passeport, ou après, c'est des moun qui gagnent 20 ans. Qui gagne 10 ans, qui gagne 15 ans, des fois, Mounsa, on est naturalisé, que le ministère intérieur, pas même connaît si Mounsa est naturalisé. Or, automatiquement, en diplomatie, Mounsa, dans l'autre nationalité, il n'est pas capable de défendre intérêt au pays que il n'est pas de nationalité. Alors, imaginez, il y a un monde qui est aux États-Unis, ou pas qu'à exiger, s'il a une nationalité américaine pour la défendre intérêt haïtien. En diplomatie, on dit c'est national ou qui doit défendre intérêt national ou. Gen des mouns que nous gagnons naturalisés. C'est parce que yo d'origine haïtienne. Yo croit que pays ça a besoin support yo. Y a mené un combat pour au moins yo jouer une possibilité pour intégrer dans les affaires publiques d'Haïti. Et le fait que yo c'est haïtien, yo sensible pour pays ya, c'est des circonstances qui fait yo naturaliser. Yo continue à défendre intérêt yo. Mais au niveau diplomatique, principe là, exiger, faut mon nationalité haïtienne pour gagner accès à deux dossiers payants. Comment on a une unité de passeport, et que mon n'a pas gagné nationalité haïtienne, et que c'est lui qui est responsabilité de passeport là. Et puis, rotation par exemple fait, parce que même si le ministère des Affaires étrangères, il a une responsabilité chaque 5 ans pour faire rotation, pour lui rouler personnel diplomatique, sort-il dans un ou l'autre, ça pour rappeler, venir au ministère des Affaires étrangères pour l'autre tâche,
pour permettre que moun sa li capable plus à l'aise de travail parce que gon tan moun nan fait dans pays d'accueil là li vin un véritable résident automatiquement vin un véritable résident li vin pas protéger droit ressortissant encore okay. Donc ou gen responsabilité pour que moun sa roule tout comme ministère affaires étrangères ministère de l'intérieur li gen responsabilité pour lui faire rotation okay. Pour que chaque 3 ans yo change et tout ça okay. Et ministère affaires étrangères gen responsabilité tout pour le définir relation ambassade d'Haïti à Washington avec unité des passeports qui sont tutelle ministère de l'Intérieur pour pas comprendre tous deux y a travail pour le même ministère. OK. Sénateur Beauplan, nous gagnons plusieurs points rapidement pour nous ouais. Avant nous mettre fin avec entrevue et gagne auditeur qui a suivi qui dit en pile dans local ambassade yo te vend sous administration privée là et c'est vrai ça l'avance là. Bon, m'pa vle di te vend. Nous avons des ambassades qui pour nous, qui pas pour nous, nous-mêmes nous faisons des recommandations, ça qui pas pour nous, qui coûte nous en pile. Comment l'État capable d'acheter? Parce qu'il faut éviter l'émission de mise au poste pour ne pas rentrer dans une véritable polémique. Parce que non, tout rapport que je fais, moi, soumettre. C'est pour question de polémique. Non, si c'est, moi, pas gagné comme fait. Okay. Et moi, je dis que y a des ambassades qui pour nous. Et où sont notés Washington, c'est pour nous. Oui. Sont notés Belgique, c'est pour nous. Moi, je crois qu'il y a un local en Italie qui pour nous. Paris, c'est pour nous. Miami, c'est pour nous. Nous dit qu'il y a des coûts exorbitants par rapport à l'autre. Loyer, nous demandons pour que l'État fasse acquisition pour okay. Empêcher que le pays a gaspillé l'argent. Pas un problème. Voilà le point. On va regarder dans le personnel diplomatique là. Et tu as l'autre souligné qui j'ai exécutif là, co-circuité, Sénat, et depuis 2012 jusqu'à 2020. Et, mais est-ce que recrutement ça a été fait en fonction de compétences et mon yo tap et recruté yo et puis a été fait tout en fonction de besoin que diplomatie haïtienne a gagné en ressources humaines des sénateurs Beauplan? Non. Non, pour la simple et bonne raison que m'bral ba ou deux trois exemples, ça fait nous saute ba yon exemple déjà. Nous dit que des diplomates et qui accrédité dans pays a et puis qu'on volume contractuel qui mené. Et volume contractuel, ça, ça pas empêcher que y'en a d'un qui vient prendre promotion sur le diplomatie. L'homme t'a évalué Miami. Miami, t'es gagné 50 employés. 50. Et l'homme monté sur FM là, qui c'est office, qui permet que, ou fait lecture de monde qui est accrédité à l'étranger, c'est environ 8 diplomates qui étaient accrédités. L'autre, pas gagné statut. Vous comprenez, l'homme pas gagné statut, ou bien c'est résident, ou bien de nationalité étrangère. Parce que automatiquement, ou c'est résident, ou bien de nationalité étrangère, même sous mon passeport diplomatique, l'État, pays d'accueil, n'a pas accrédité. Parce qu'il a évité des conflits ou un problème de juridiction. Si un problème qui posait entre l'État haïtien et l'État américain, sous ses résidents ou bien de nationalité américaine, mais là, il n'y a pas dit, il n'y a pas de juridiction qui est compétente. Pour trancher. Okay. Parce que, ou bon statut en tant que résident, ou bon statut diplomatique, c'est Haïti qui a de trancher. Donc, maintenant, on peut créer le conflit des différents. Pour éviter ça, il n'y a pas accrédité. L'homme est allé à New York dans la période d'évaluation 2017 là. C'est 70 employés qui étaient gagnés. Or, ou besoin trentaine de monde au plus, pour faire New York fonctionner. L'homme dit trentaine, pour qui ça me dit? Parce que, il a fait itinérance. Si New York toujours qu'il y avait même formule là, pour tes services en by moon, en Pennsylvania, pour tes services by moon, et New Jersey, pour tes services by moon, Connecticut, le fait que vous avez des équipes qui détachées, bon, quand c'est moon qu'on besoin, ils n'ont pas besoin de 70 pour faire fonctionner. Tout comme Miami, si on fait itinérance, et que vous déplacez, vous faites service itinérant, vous déplacez, vous pour tes services en by moon, West Palm Beach, vous pour tes services en by l'autre zone, l'autre ville, qui est un peu éloignée de Miami, pour permettre que moon, vous capable de faire document, vous attendez. Les sorts qui ont besoin 25 à 30 moun, même pas l'autre de 60, et faiblesse là, ils n'ont pas gagné accréditation. Okay. Et songez, fonction, quantité moun là, les fonctions de quantité comme qu'on va gagner pour fonctionnement. Okay. Donc, pays a, bon, quantité comme qu'on va gagner pour fonctionnement, volume ça, et que, n'a payé conséquence là. Donc, deuxième bagaille, et, moun ça, c'est des moun, dossier ou pas soumet, des fois, nulle part, ou bien ils n'ont pas étudié, yo. Parce que si nos dossiers ont été étudiés, les dalles fait évaluation, nous avons besoin de faiblesse là-dedans. Okay. Parce qu'on a besoin d'un personnel pluridisciplinaire qui est tout le monde là-dedans, ou même journaliste, ou capable de travailler, ou un rôle pour jouer.
on est qui avocat, c'est pas obligé diplomatie pour étudier, non? Pour travailler dans mission diplomatique, on est dans un rôle pour jouer. On est qui maîtrise le commerce bien. Il peut aller aider dans l'OMC à côté représentant que nous gagnons dans l'OMC. Okay. Il y a l'autre qui fait l'autre étude d'expert comptable ou contact public. Chaque responsabilité dans un consulat ou bien en ambassade. C'est dans ton beau plan. Et gen moun ki di diplomasi a depuis plusieurs l'année c'est chasse gardée parlementaire. Parlementaire profiter de diplomasi a pour mettre ti fami yo, ti bobout yo, zami yo, moun ki te travay nan kapay yo. Moun ki di ça, li gen raison, la bay menti. Et den comprend. Li nous pas pral di il pas gen raison, son constat des fois. Mais li perd du raison tout parce que parlementaire a gen droit pour le recommander moun. Mais où sont les bagages qui sont clairs? Ce n'est pas le fait que Yozan me recommande à France Duval pour qu'on travaille dans Magic 9 ou obligé de travailler dans Magic 9. Ce n'est pas des capacités pour ça. Automatiquement, nous faisons constat, nous soumettons les affaires étrangères, c'est demander tout le monde pour soumettre CV. Si CV n'a pas correspondu à travail que vous pouvez faire, le ministère des Affaires étrangères a dit que voilà, on pas habilité pour faire le job, bien vous faire. Parce que l'autre parlement, qui ça qu'on parlement? Au Parlement, c'est toute circonscription en un pays. Au Parlement, c'est tout département en un pays. Parlement, si je vois bien, il représente la population. Mais moun kap travaille au sorti en la population, attendez. Oui, mais en même temps. Parlementaire, là, pas qu'à prendre tout espace, mais ça pas veut dire pas qu'à recommander en moun, si c'est vrai, moun, là, lui répondre à ça que exige. Donc, moi-même, l'aime fait évaluation. Gué des côtés, effectivement, moi, je vois une dérive. Mais non, assez en fait, souvent, c'est pas dérive parlement. Nous sommes bon exemple simple. De 2012 à 2020, qu'on se dit, madame Fini, histoire fait que, y'a un coup sécurité parlement. Oui, mais. Donc, même nomination temps, fait non, sans non, parlement. Dans la même période, ça. Parlementaire, forcément pas. Parlementaire, qui peut-être gagne en prise, c'est de parlementaire, qui proche pouvoir. Sénateur Beauplan. Très bien. Oui. Et de 2012 à 2020, exécutif là, coup sécurité, et Sénat pour les nommer diplomates, mais qui j'ai en même temps sénateur ou même parlementaire qui a recommandé moun parce que papa c'est pas nous. À moins que non, c'est pas toute nomination qui doit passer par nous. C'est surtout chef de mission yo. OK. Ça fait moins d'ou assez souvent chef de mission hein, le fait que n'est pas gain pour le répondre devant parlement au lieu qu'on y a li servi à nomination qui régulière yo. Yo kon rive, yo bay tèt yo pouvoir, yo fait un paquet de nominations avec des contractuels. Okay. Et c'est ça, nous sommes dit que consulat avec ambassade, yo bondé de contractuels. Okay. Des mouns qui pas rempli des fois conditions et que yo vini en mission et des fois yo vini monter chef de mission. Okay. Et nous avons plusieurs cas comme ça en des rapports que nous produit. Gen un auditeur qui dit et yo commencé pour circuiter Sénat, c'est un deal qui était fait pour ratification Laurent Lamotte en 2013. Eh ben, et parlementaire était négocié avec premier ministre à l'époque là monsieur Lamotte et quelques postes là et quelques nominations dans diplomatie. C'est parti de là que des autres là commencé. Ou une réponse par rapport à ça? Non, mais pas quoi. Et particulièrement moi-même moi pas connais deal ça. Et sous songer des sénateurs Takou Kelly Bastien, moi-même, Yuri Latorti, c'est moment ça, les Lamotte a monté, n'a quitté le Parlement. Et sous questionner Lamotte sous ça, l'abdou, c'est pas vrai. Okay. Pas aucun deal qui était fait entre le Parlement autour de diplomatie, hein. Pas de deal comme ça. Et si un deal comme ça qui était fait, moi, je pensais que d'où est-ce rapport qui sorti pour dire, mais qui moun qui était participé dans le deal, ça, même j'ai dire, il y a des rapports financiers qui ont sorti, faut que rapport ça sorti pour moi, on a dit, voilà, mais qui est-ce qui a dit ça? Et mais qui ça te bénéficie de dire ça? Le plus souvent, il y a des parlementaires qui n'ont pas fait de job, yo. Il y a des répercussions sur tout le monde. C'est même genre, il y a droit à un journaliste qui n'a pas fait de job, lui, comme journaliste, et qu'il y a des répercussions sur tout journaliste. Okay. Une question, c'est de ça. En pile froid, parlement, lui-même, on va aller avec des réponses très courtes parce qu'il faut que nous finissions pour dans l'éditoire. Et où quitter Sénat en 2013, c'est ça? Et 2012. 2012, ok. Où est-ce que vous avez diplomatie? Qui nous mène diplomatie? Oui, moi, j'ai madame moi qui nous mène en 2008. En 2008. Li nommé à titre de qui ça? Et li nommé comme agent consulaire dans plan de carrière. Non. Dans la carrière, il veut dire qu'il était dans le ministère des Affaires étrangères et qu'il passait tout le service sur son sol. Il passait 10 services
après stage 10 services là, yo évalué li, c'est donc son sorte d'examen parce qu'il était très rigide sous René Préval avec Nixon, Myrtille comme directeur général, Jean-René Dalcé-Rispé comme ministre, 10 certificats d'excellence, après évaluation. Et les abnommés, puisque me président de la commission affaires étrangères, ont demandé pour que nommer le vice-consul. Moi, je dis, m'pap tout en sénateur, m'pap qu'à protéger au monde que moi m'a dénommé, rentrer dans le niveau qui est plus bas. Yo mettez le comme agent consulaire. C'est que t'es m'a dénommé? Le principe là, mettez le dans le niveau qui est plus bas. Pour que m'assurer que il passe toute étape. Niveau qui est plus bas, c'est agent consulaire. Sénateur, gon conflit d'intérêt. T'as alors se dit que c'est en pleine carrière, mais qu'on n'a pas qu'à demander pour mettre le non niveau plus bas, parce que si non, c'est carrière. Non, pour qu'il s'arrête. Moi, t'as dit plein de carrière là. Automatiquement, ils prennent comme privilégié. Ils nomment le vice-consul, les consécutés. Son j'aime c'est président de commission affaires étrangères qui a évalué. Moi, je demande pas quitter le consécuté. Vous conflit d'intérêt, sénateur. Ou président ou commission affaires étrangères pour demander pour mettre madame non poste. Qu'est-ce qu'on capable plus bas ou plus haut? Non, moi est capable. Mais son prochain. Parce que non, président de commission affaires étrangères, il a pour l'évaluer, il est là pour les sanctionner, mais il pas là pour le favoriser. Non. Attendez. M'vlou attendez bien en amener ça. Histoire là. Pour me rentrer, moi m'en rentrer dans plein de carrière. Plein de carrière là exigé. Ou bien il était dans l'université de Jean-Paul Espace, ou bien il vient dans affaires étrangères. Pour que yo évalue, yo fait stage qui a oublié, passer tout service consulaire, service haché. Et si évaluation li négative, moun n'a pas qu'à nommer. Si évaluation li positive, li droit. C'est de droit. Et moi-même, moi, je dis que, étant donné l'ESA, moi-même, ton privilégié, moi, t'es invité que yo mette le vice-consul, moi, mandé, pour que m'assurer que li pas consécuté carrière là, yo mette l'agent consulaire. C'est dit. Ça a dit plusieurs fois. Et, ou mettre n'importe quel diplomate, c'est la règle. Et la règle a dit, au moins, il faut en faire 3 à 4 ans avant que droit à une promotion. Il joue une promotion après 4 ans. Madame Boblat est dans l'université de Jean-Paul-Espace? Non. Moi, je dis que deux possibilités. Okay. Possibilité ou capable dans l'autre formation, ou pour obliger diplomate ou venir dans la diplomatie. Ça me dit, ou même comme journaliste, ou capable dans la diplomatie. Il y en a qui étudient le commerce, capable dans la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est pas diplomatie strictement à faire tout le temps. Son bagage pluridisciplinaire. Ou bien plusieurs qualificatifs. Ou bien plusieurs catégories de monde qui est capable d'en. En dedans, on a besoin comptable. En dedans, on a besoin d'un qui est excellent question commerce. En dedans, on a besoin bon avocat. Parce que, il y a des dossiers, c'est avocat qui a traité. On a besoin de monde qui qu'on archive bien. Ou besoin de monde qui compte faire promotion, parce qu'il y a un consulat, ou supposé qu'on service pour la promotion du pays. Moune, ça, yo capable de prendre ailleurs. Mais, grand bagaille qu'on doit faire pour permettre que moune rentre dans plein carrière, faut rentrer dans six clients. Faut passer dans six clients qui c'est affaires étrangères. Automatiquement, ou fin passer dans six clients affaires étrangères là, maintenant, il y a une petite affaire étrangère. Et affaires étrangères, il y a moune, ça, yo, non, liste, qui est les listes de carrière. La suivre à la lettre. Des fois, il y a des côtés qu'on arrive, bagala corsé, ils ont fait appel à des diplomates de carrière. Par exemple, lors des ambassades, c'est diplomates de carrière pour mettre là-dedans. Vu complexité situation à l'extérieur. Par exemple, une ambassade comme la République Dominicaine, sont diplomates de carrière pour mettre là-dedans, monde qui font diplomatie, monde qui mûre dans diplomatie, mais qui parle français, qui parle espagnol bien, mais qui plus ou moins bon idée de commerce, mais qui ont idée bien fort de question immigration. Okay. Dans les multilatérales, c'est des nègres de carrière pour mettre. Donc, affaires étrangères, lui-même, ils font sélection de monde de carrière, yo, monde qui passe dans le monde. Li, yo. Ok. Maintenant, faut interviewer par quelqu'un ou un bail personnel, même si un pilote a posé à vous une question. Oui. Pour oui. Là, il dit, bon, des sénateurs, vous plaît, combien de monde n'y a dans la diplomatie, combien de monde n'y mettez dans le consulat, et, bon, l'autre auditeur qui dit, vous plaît, tu bois sur la question de recommandation, ce sont des dérives du Parlement, ils ne recommandent pas, ils obligent à embaucher, ça sont monde qui a dénoncé. Non, ça, ouais, c'est pas ça. Ou même comme journaliste. Parlementaire, et où on répond pour tout ça? Combien vous mettez dans la diplomatie, dans le consulat? Et je dis, je pense que tout le monde pays a dit que sous président Jovenel,
yo te révoqué, yo te rappelé madame Beauplan. M'pa jamais entendu dire l'autre encore non. Parce que moi dit encore, moi connais principio exigé faut que affaire étrangère étudier dossier moun ça. Faut que dossier a étudié par affaire étrangère et c'est affaire étrangère seulement qui a droit pour nommer moun ça. Ou pas gagne l'autre monde. Moi pas gagne un monde que yon construit un ambassadeur nommé pour moi comme contractuel, moi pas gagne. Ou pas gagne aucun monde que vous te recommandé dans l'autre poste à part de madame. Non. OK. Donc il y a des dossiers qui soumettent par affaire étrangère, yo étudié yo, mais moi-même c'est madame Pam que moi t'ai rentré dans le plan de carrière. Donc ça moi dit le pays, voilà, mais comment elle t'est faite? Et c'est ça à l'époque règle était très rigide, Clérispe Nixon Mirtil était très rigide. Voilà comment elle était exigée pour que mon rentre dans le plan de carrière. Donc moi pas des personnes que moi pas acheté. Et combien de temps madame t'es fait dans le ministère avant de aller à l'étranger? Six mois. Ok, parce que vous dites là qui ouais. Dit, soit pas les nous te connaissons les mouns qui viennent, ils viennent prépiquer, parce que vous avez vu, ils viennent faire 3 mois dans le ministère avant d'aller, ils passent dans chaque direction pour une semaine, et puis après ça, ils aller. Bon, c'est ça, vous dites. Vous voulez même battre pour tout président? Non. Mais au moins, autant de salles dit, préval, t'es qu'on exige. Donc, okay. Ou est principio? C'est que le président préval qu'on est, il n'y a pas de droit à nommer mon nom n'importe comment. Ok. Il exige à ce que affaires étrangères, souvent mon nom, rentre dans 6 cuits affaires étrangères. Ok. T'as l'air de dire, et parlementaires sont droits au gain pour recommander mon, c'est ça? Bien sûr. C'est représentant de la population. On a imaginé que, où sont journalistes? C'est pas exécutif ça qui doit ça? Non, recommandé par Vladis, nommé pour ça. Non, c'est le parti au pouvoir qui doit décider qui est-ce pour nous qui a pu représenter ou pas dans tous les niveaux. Non, faut faire différence entre représentant et nommé. Représentant, c'est consul général, c'est ambassadeur. Même consul général, c'est, on nous dit représentant, c'est consul général, c'est ambassadeur, c'est représentant permanent, c'est yo que le gouvernement, à savoir président, soumet. Donc chaque ambassade, bon titulaire, chaque consulat, bon représentant, donc c'est lui, président, doit soumettre à appréciation Sénat. Reste employé, c'est le ministère des Affaires étrangères qui s'en charge. Suivant CV que le gouvernement lit. Il étudie CVO, les grosses sections qui étudie CVO, qui gardait est-ce que Mounsa les remplit conditions pour le nommer dans la diplomatie, les nommer. Okay. Donc dans le niveau ça, parlementaire là, si le groupe clientèle politique qui gagne des mounes, qui gagne niveau, les soumettre lui. Bon, ou dit, les soumettre lui, ont étudié le dossier. Son droit, si le monde gagne niveau, même si je me dépose une question tout à l'heure, est-ce que le recrutement vous faites en fonction de compétences, en fonction de besoins de ressources humaines? Vous avez dit non? Non. Songez ça, me dit. Moi, donc, bon, parachutage qui fait, le fait que nom, yo pas respecté, yo qu'on mettait chef consulat, et qu'il a fait étrangère, fait de nomination, que le nommé de diplomate, mais l'arrivée dans la mission, yo prend des contractuels. Des fois, quantité contractuelle, qu'on dépasse quantité diplomatique. Et contractuels, qu'on arrive chef de mission. Et c'est bien tendu, Samzo. Okay. Affaires étrangères, nommé de diplomate. À partir de CV que l'Igué est nommé, l'Igué étudié, il voit les diplomates, ça y est, au besoin. J'en suis dit là. Et suivant espace que nous regardons là, et qui travaille, yo pas le faire, yo garder, CV Mounsa, est-ce qu'il répond? À niveau, ça a parlementé à droit. Okay. Comme autorité, ministre a droit pour soumettre un document. Okay. L'aile soumettre document, il étudie, si Mounsa a rempli condition, il est nommé. Mais dans le chef de mission, ça, il est arrivé dehors. Pas dit c'est tout, non. Il est arrivé dehors maintenant. Sans CV, il est nommé des contractuels. Okay. Et contractuels, ça, il n'y a pas au statut de contractuel. Bon bagay, il a inventé qui dit au rang de. Contractuel au rang de vice-consul, contractuel au rang de consul, le fait que vous mettez au rang, vous savez, il y a même salaire avec un consul qui sont diplomates, il y a même salaire avec un vice-consul qui sont diplomates, mais ça, vous savez, il y a accès tout pour lui gagner promotion. Et des fois, promotion qu'on vient faire de lui, représentant l'État, sans que l'État lui-même, lui pas nommé Mounsa, est-ce que vous essayez de comprendre? Oui, expliquez nous ça, nous comprenons. Et t'as leur dit, ou pas recommander aucun autre monde que madame Beauplan, c'est ça? Songez ça, Mzou. Essayez de comprendre. Moi, dit madame Beauplan, moi, rentré dans mon plan de carrière en 2008. Mais d'une manière générale, moi, dit que,
yon parlementaire gen droit pour le soumettre au dossier. Est-ce que vous maintenant il revient pas, à ministère fait j'aime pas quoi ça c'est lui donc a étalé le radio yon parlementaire d'une manière générale sénateur il gen droit pour le soumettre au dossier et si dossier là il répond à exigence ministère là il a fait nomination. Mais ça, c'est pas sénateur qui nomme Mouna, c'est affaires étrangères. Oui, mais c'est Mouna nommé, c'est Mouna sénateur nommé. Non, mais il y a une petite affaire étrangère, il suffit d'étudier le dossier. Je dis où c'est journaliste, je recommande auprès de M. Franz Duval. Mais automatiquement, Franz Duval garde diplôme, il y a diplôme, répond, il accepte de nommer comme journaliste, ou une petite magique neuf. Oui. Ou une petite magique neuf, c'est si diplôme ou pas répondre. Moi, exige M. Franz Duval, faut le prendre Daniel pour moi. Laisse ça, attention. Les différents. Mais si, yo soumet dossier ou, supplicaste, non enveloppe, même genre, tout l'autre dossier à soumettre, et que Franz Duval trouvait que diplôme ça, son diplôme, qui répond à ça, magique neuf, vlé, travail lié pour le faire dans magique neuf là, M. Habilité a fait travail ça, et que lui prend comme petite magique neuf, lui nommé, et c'est lui qui dit, mais qui travaille ou pas le faire pour magique neuf, mais dans qui c'est qu'on prend le travail? Dans la radio, ça, on a une petite magique neuf. C'est si on y a un Walprom, on a exemple, Port de Paix, par exemple, qui n'a aucun rapport à question journaliste, et comme dit Franz Duval, mon cher, mon ami, mon frère, moun ça a fait pas bon, fongeant, mettez là pour moi. Et puis, go l'autre responsable, radio à qui vini, il prend mon ça, il mette la même rôle journaliste. Là, bon problème. Ok. Il y a qu'à questionner. Là, moi, okay? Sénateur, ou pas, vous voulez dire si vous recommandez mon ou pas. Pas de problème. On va avancer avec notre vieux pour nous finir. Et. Très bien. La question proposée pour nous redresser et diplomatie au-delà, et au regard de tout problème que nous avons évoqué là, monde qui pas qualifié, monde qui dans mauvaise affaire, monde qui prend l'autre passeport à l'étranger, c'est chargé problème. Et auditeur vous un peu question pour vous, mais malheureusement nous pas capable de poser tout. Et le mot de la fait, qu'est-ce qu'on devrait faire, et sénateur Beauplan, pour redresser la situation? Il y a un principe, nous sommes dit déjà. Faut que ces deux bagages clés, faut que yo établi relation entre ambassade que nous avons à Washington et unité de passeport. Parce que Washington, c'est lui qui imprime passeport pour toute mission. Faut que le ministère de l'Intérieur prenne la responsabilité pour connaître section ça, c'est société liée, unité de passeport là. Pour le faire rotation à temps, pour le faire formation. Prendre des mouns dans l'immigration ici, voyez Washington les pour faire votation, et prendre des mouns Washington pour retourner en Haïti, et gagner cap venir dans le ministère des Affaires étrangères, dans le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est son premier bagage pour résoudre question passeport, parce que, nous pas de l'évoquer, mais pour faire corruption dans la question passeport, c'est toute chaîne qui doit faire corruption, parce que pour faire passeport, on n'a pas quatre documents pour présenter. Présentons acte de naissance, ou bien extrait des archives. Maintenant, est-ce que c'est dans fraude si Mounsa n'a pas de nationalité haïtienne? Est-ce que c'est dans fraude qu'on fait extraire des archives, ça? Pour faire un passeport, faut qu'on signe. Faut qu'on carte d'identification nationale. Donc, comment on fait passeport? Qui numéro carte d'identification nationale? Il rentre pour Mouna. Faut qu'on fait fraude pour faire carte d'identification nationale, là. Donc, si on corruption dans la question passeport, c'est presque toute chaîne, là, qui fraudait. Donc, là, faut qu'enquête là, il y a approfondi, faut aller au-delà du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes dit, il y a une action clé, faut faire des décrétations en comptable et ordonnateur. Pour que c'est pas ordonnateur, yo, qui nommait comptable, yo. Pour que n'assurer nos comptables, c'est des véritables mandataires du comptable public du ministère des Affaires étrangères. Puisque nous avons problème au niveau personnel, yo. En fait de diplomates, de fonctionnaires, de véritables fonctionnaires. Pour éviter tout ça, nous sommes à parler là à Daniel, on nous passe tout dossier par MRH, qui lui-même étudie le dossier, garder effectivement si tout document valable, lui retourner aux affaires étrangères, et lui dit que vous capable de rentrer Mounsa dans le circuit diplomatique là. Et là, Mounsa a rappelé, il n'est pas venu mourir Port-au-Prince côté au métier de côté, puisque son fonctionnaire, l'État, capable d'utiliser à d'autres fins. L'autre bagaille pour relancer la diplomatie, il faut un audit général. Qui fait? Parce que tantôt on dit Gagot Nassau, tantôt on dit Gagot Miami, tantôt on dit Gagot New York, tantôt on dit Gagot Washington. Donc c'est pas des bagailles partielles pour qui fait, faut qu'on dit général qui fait.
et dossier ça y a joué un coup de compte, y a joué ministère des Affaires étrangères et nouvelle équipe qui va venir, elle pas venir sous trace corruption ça qui était déjà existé. Dès lors, n'a capable régulariser différents services que nous gagnons au ministère des Affaires étrangères, que ce soit service financier yo, y a joué rôle yo, service personnel là, l'a joué rôle li, service archivio là joué rôle yo, gros problème encore pendant la finir. Gros problème d'authentification des documents. Lorsqu'on section archive à l'étranger et que qu'il y a problème au niveau des archives en Haïti, si par exemple, il y a fraude, moi, sur une époque, monsieur des archives nationales, qui a plaigné fraude, monde qui a fait signature, il était changé de données. Mais section archive, consulat, ambassadeur, faut qu'il y ait un représentant au niveau des archives nationales, non, espace de temps très court, pour être capable d'authentifier un document. Si tant record là, qui est parti à authentification à l'y passé, y'a eu tendance à utiliser pièce ça, et puis y'a fait document sur un faux extrait d'archives. Faut contacter à l'y établi, même genre, faut qu'on contacte serré avec ONI tout pour permettre d'authentifier. D'une manière générale, nous besoin gestion des archives et de la documentation. Nous besoin bonne gestion de tendance politique économique, pour nous connaître qui ambassadeur, quel, qui côté, pour que chaque année, il y ait conférence qui fait pour chef de mission, yo. Chaque 6 mois, il y ait conférence qui fait pour chef de mission régional, yo. Parce que, il y a pas le même dossier pour travailler sur, yo. Question promotion pays, faut nous faire un package de promotion. Package de promotion, dans chaque consulat, dans chaque ambassade, aujourd'hui, c'est pas mon cap imaginer qui photo pour mettre, qui tableau pour mettre, mais un package qui sortit dans le ministère des Affaires étrangères, donc automatiquement arrivé dans le consulat ou bien ambassade là, ou bien représentation diplomatique là, ou joindre des brochures qui parlent de l'histoire pays là, ou joindre tableau et nouveau artiste ou bien pas connaît, nous yo, le tableau que le monde a carrément, nous joindre tableau des chefs d'État haïtiens, nous joindre de bagailles qui parlaient de tourisme, belle plage que nous gagnons, belle zone que nous gagnons, tout ça que nous gagnons dans le pays. Faut que personnel diplomatique là, l'y recycle, parce que le recyclage pas jamais fait, donner ou changer, mais personnel diplomatique que nous gagnons, l'y pas recyclé. Faut que relation étroite entre MAE et mission yo, pas permettre que c'est des missions indépendantes qui travaillent pour quoi yo, pour faire ça yo voulez. Faut qu'on contrôle régulier et démission. Faut que directive yo chaque année à travers conférence des chefs de mission Affaires étrangères bayo. Parce que si directive yo changer en fonction de ça qui changer dans le monde là, faut que conférence qui fait à chef de mission pour dire mais ça qui changer, mais qui comportement pour gagner. Si on fait ça comme ça, ça permet que nous avons l'autre diplomatie qui repartit à zéro. Nous effacer ancien tableau que nous sommes à parler là-haut. Nous sommes à faire un exercice pour poser des questions très difficiles. Ou mettez ma situation pour m'abaisser, bon, deux réponses. Parce que réponse moyenne, il y a des répercussions sur tout parlementaire qui attendait moins. Donc, nous pas besoin de faire un exercice difficile, ça. Nous connaissons qu'au monde qui conservait, les soumettre les affaires étrangères, affaires, soumettre les au MRH, qui vérifie est-ce que effectivement, ça a habilité pour le faire travailler ça. Il y aurait tout le monde qui a habilité au bail affaires étrangères. Et laissons pas poser ni sénateur, ni député, ni magistrat, ni personne question, est-ce qu'il a été recommandé le monde? Il y a de oui, dossier a été étudié dans le MRH. C'est le MRH qui dit le monde ça a l'habilité pour représenter le pays. Il vient au fils authentique du ministère des Affaires étrangères. Et lui fait travailler sous contrôle affaires étrangères. Si la unité parce qu'on lui fait sous contrôle ministère de l'Intérieur, et ça permet que notre diplomatie effectivement qui est représentative, qui permette que pays a changer d'image, changer de visage. Merci un peu, Louis, sénateur Poplan, d'être disponible pour nous. Merci le fait que vous te permettre que moi élaborer. Et assez pour permettre que grand public a capté des missions ça, y a édifié. Encore, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.